Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors, je vous retrouve là où on s'était arrêté hier, à savoir... Non mais Nat, Nat, ça te dérange pas que je fasse mon intro de nickel chrome? Hein? Oh là 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 là, bon allez, on va un petit peu s'éloigner. Donc oui, on s'était arrêté à Diamond City, qui, je crois bien, si je me trompe pas, est apparemment, alors vous me confirmerez, la capitale du jeu. Ou en tout cas, la plus grande ville du jeu. Est-ce que j'ai vu juste? Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai gagné un Kit Kat? Vous me le direz dans les commentaires. Mais ouais, on s'était arrêté après avoir fait l'interview avec la journaliste. Et on va donc continuer la trame principale. Elle nous avait parlé... Enfin non, c'était pas elle, c'était... Le garde à l'entrée, là, il faut que j'aille parler à l'agence Valentine, qui se trouve, bon, je sais pas, quelque part si par là. Quelqu'un ici est une de ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. C'est pas humain. La secrétaire du maire? Allons, je lui coupe les cheveux moi-même. Et s'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien ça le problème, Johnny. Avec ces saletés, impossible de voir la différence. Si tu coupais McDonough avec ton rasoir, il saignerait, mais ça ne prouve rien. Pour les resplendir comme jamais, nous faisons toutes les coupes de cheveux du Commonwealth. Ouais, mais non. Qu'est-ce qu'on a par là? Vous êtes vraiment des maniaques des combinaisons dans les abris. C'est une vraie combinaison d'abris? Oui. La vache. Oh là là, mais j'ai bien fait de l'avoir gardé, dis donc. Je suis une véritable attraction. Bonjour. Bonjour. Chez Micker, prends soin de vous et de tous vos besoins thérapeutiques. Je sais pas, peut-être qu'il me parlait dans la tête et que je n'entendais rien. Va savoir. Mais en tout cas, il a la voix de Cartman. Ça, c'est cool. Maintenant... Bonjour. Excusez-moi. Vous venez d'arriver, hein? Si vous voulez une leçon d'histoire, allez voir Abbott près de lui. D'accord. Bah dis tiens, ça me donnait une mission. Les dernières coupes de cheveux à la mode dans les gradins supérieurs. Bonjour. Hé. Hey. Vous ne lisez pas le journal? Ces foutus synthétiques se cachent parmi nous. Oh non. Oh non. Mentats, Buffout, Steampack, Jet, tout ce qui peut vous faire du bien. Si c'est pour me faire du bien. Cogneuse, cogneuse, les cogneuses, ça cogne fort. Protection à vendre, pièces réalisées à la main. C'est pas si grand que ça en fait. Sauf aux synthétiques, ils ne sont pas tolérés ici. Comment ça? Bonjour. Je vous connais pas, gardez vos distances. D'accord. Pas de soucis. Il paraît qu'il y a un bar réservé aux billards dans le quartier du théâtre. La fosse. Je ne m'en approcherai pas si j'étais vous. D'accord. Explorer la fosse. C'est où l'agence de détective là? Est-ce que ce serait pas par là? Bingo. Hello? Excusez-moi. Ne vous fatiguez pas, je n'ai rien vu, rien entendu. Ne franchissez pas le mur sans défense. La meilleure protection qui soit, à mon prix. Ah, c'est vous. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Bonjour. Ces cravates. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Attendez, qui êtes-vous? C'est vous, la détective? Moi? Non, je suis la secrétaire de Nick. Je gère ses rendez-vous, sa paperasse, ce genre de choses. Enfin, c'était mon métier avant, en tout cas. Mais maintenant que Nick a disparu, je ne peux pas faire tourner une agence de détective sans détective. Vous savez où je pourrais le trouver? Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude.
Qui c'est, ce Malone le chétif ? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de Good Neighbor. Qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Vous dites que Malone est de Good Neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Pourquoi j'irais lui demander de l'argent ? Ouais, non. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite. Je vous en prie. Vas-y. Vamos, demi-tour, mon petit canigou. Alors, question pour du pognon, est-ce que c'est loin ? Non, ça va, il fait encore jour. Où c'est que je vais, moi ? Je suis humain. Oui ? Écoutez, bah tant mieux pour vous. Que se passe-t-il ? Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley ? Où est mon frère ? Je te jure que je suis pas un synthétique. Attendez, je sauvegarde. Tire pas ! On est de la même famille, merde ! Posez cette arme tout de suite ! C'est un synthétique ! Il va tous nous tuer ! Caille ! Oh la vache ! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez ? Vous êtes tous parano ! Oh putain de merde ! Attendez, je vais essayer d'approcher plus rapidement. Confirmé. Oh là là ! Comment ça a explosé ? Je suis pas un synthétique ! Ne tire pas ! On est de la même famille, merde ! Posez cette arme tout de suite ! C'est un synthétique ! Il va tous nous tuer ! Kyle ! Non ! Bon bah apparemment je pouvais rien faire. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez ? Désolé mec. Vous êtes tous parano ! Essaye de récupérer les morceaux de tête de ton frère. Hey. Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté ? J'ai besoin d'une minute. Est-ce que t'es vraiment humain ? Est-ce que tu ne serais pas un synthétique qui simulerait du chagrin ? Ça vous dérange pas si je le fouille ? Voilà, je récupère juste ça, je vous laisse le reste. Pourquoi vous restez planté là ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Circulez, il n'y a rien à voir. Je répète, circulez. Mais qu'est-ce qu'on fait du cadavre ? Vous démerdez-vous. Mais circulez. Oula. Ouais, on est vraiment sur la fin de la journée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un banc où je pourrais m'asseoir ? Là. Yes. Bon. On va attendre. Il est 6h de l'après-midi. Je vais attendre 12h. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de gestion de la faim ou de la soif. Parce que sinon, je serais dans la merde. Attends, on va attendre encore une heure. Super. Et on va regarder au niveau des combis. Non. 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 Voilà. On n'a que ça. Super. Ouais. Je pense que pour vraiment profiter de ces magnifiques effets de lumière hein, au petit matin, il faudrait plutôt se mettre à 6h du mat, et non pas à 7h. Donc là, le jeu me dit que c'est quelque part en face. Tiens. Alors, on va regarder. À l'aide, SOS,
Mayday. Je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman, et je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super-mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Je passe le message en mode répétition. Oh merde! Je dois couper! J'entends un super-mutant qui arrive! Allez, oh merde! SOS, Mayday, je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Alors, boubouloubouboup. Je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Tac. Je pense que les super-mutants ont l'intention de me manger un... Tais-toi. Mais attends, j'ai cru voir quelque chose. Ah non, c'est la fréquence militaire qui est hyper fluctuant. Que c'est chouette. Oh putain, des métaux. Merde, fais chier. Oh merde. Ah, c'est moi ou il est? Putain de résistance, ce clébard de merde. Ah mais il y en a encore. Ah c'est le clébard de mid. Non. Merci Kanigou hein. Attends, je sais ce que je vais faire. Ouais. J'ai besoin de force par ici. On a réussi. Super. Pour cette fois. Merci beaucoup. Kanigou, t'es où? Je te remercie pas hein. Ah mais t'étais peut-être... ouais, à terre. Tiens, on va faire un truc, je suis désolé, hein, je reviens beaucoup au niveau de ça. Hop. Alors, attends. On va récupérer... On va mettre ça. Schlack. L'alarme que j'ai. On va la mettre ici. Et minigun. On va le mettre en haut. Lance-missile. On va le mettre là. Autorité des justes. On va le mettre là. Voilà. Comme ça, je peux faire ça. Non, ça. Oh, j'ai que 15 balles. C'est pas la peine. Ah, ça tire encore ! Oh putain. Hop là, je passe. Putain. Allez. Mais c'est moi où ils font plein de dégâts, quoi. Putain de merde. J'ai pas de muni. Cours. Cours. Vas-y. Putain. Non mais c'est fou quand même, non? Cartouche, allez. Vas-y, on les fouille.
Il en reste encore ou quoi? Capsule. Ah punaise. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Hein. Quoi? Oui, vas-y, montre-moi. Hein? Ah! Et putain, mais t'es trop con, Kenigou! Comment je fais pour utiliser le truc? Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Parce que j'en ai marre là, à chaque fois je tire. Oh, attention, Kenigou! À chaque fois, moi je tire en temps réel, mais. Je voudrais bien savoir comment on utilise le ralenti. C'est bien. Cartouche. Hop là! Heureusement qu'il ne s'est pas bien tiré. Ah merde, forcément ils vont se ramener. Mon bras, il est cassé. T'as pas le droit de crever. Oh là 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 là. Allez, c'est très bien comme ça. Toi, cran d'arrêt, ouais non. Cartouche. Et le gars qui est en bas. Mitraillette. Ouais, mais franchement, ce que j'ai, c'est déjà très bien. Faut que je fasse gaffe, hein, de pas trop... comment je pourrais dire, de pas trop prendre de choses. Waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, les effets de lumière dans ce jeu! Oh, c'est du petit lait. C'est vraiment du petit lait. Qui est là? On n'y va pas. On reviendra un autre jour. Moi, faut que j'aille chercher d'abord le détective. Trinity Tower. Ouais. C'est quoi ça? Salut. Vas-y. J'existe pas, tu me vois pas. Ouh, je suis pas là. Attends, mais je veux savoir déjà où c'est que je dois aller, moi. J'en ai marre de tourner en rond. Non, déjà, ce qu'on va faire... donner. Non, c'est good. J'ai déjà tellement de missions. Trouver Nick. Nick, il est par là. De quoi? Quoi? Qui c'est qui parle? Oh putain. On peut pas se balader tranquillement, dis donc. Faut qu'on se fasse agresser. Salut. Ça t'apprendra à me tirer dessus. Bouffon. Cartouche. Petite voiture, oui mais non. Oh putain de merde. Oh là 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 là, mais je vais péter une durite, moi. Est-ce que j'ai le droit de me promener en paix? Est-ce que c'est trop demandé? Kanigou! Je crois que j'ai perdu Kanigou. Kanigou, moi je m'en vais! Oh putain, mais il leur v'là! Je crois que c'était Kanigou! Meurgenier? On dit déjà. Faudra me passer sur le corps. Qu'est-ce qu'il parle? Allô? Mais dis-moi pas que c'est toi!
je fais les coups de crosse? Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire. Si je fais... Non, c'est pas trop ça que je voulais faire. C'est pas moi! C'est pas moi, c'est pas moi! Putain, il se passe tellement de choses! Pas mal. Boston Common. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? Des radiations, super. Et pas qu'un peu, pas qu'un peu. Aïe, 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 aïe. C'est ici? Ah, d'accord, ok. Je vois des gens. Ranger avec la bande à Malone le Chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi je dis que Malone c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective et lui qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme. C'était quoi ça? Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Aïe! Mais arrêtez de me tirer dessus! C'est pas vrai ça! Tu vas pas crever comme ça! Sauvez le privé! Butez-le! Ah, mais j'ai plus de Steam Pack. Je me suis bloqué ou quoi? Eh, touchez pas à Kaneko! Encore! Allez! Malone va se faire un collier avec tes tripes. Ouais, ouais, comme toujours, tu m'intéresses pas. C'est bon, je t'ai vu. J'ai un tir de suppression, mais ça ne va pas suffire, mon gars. Ah, mais non. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai été un petit peu trop dans l'action. On reprend où? Ah, super. Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone le Chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme. Comme s'il avait pas les couilles de le buter. Dis pas ça à sa nouvelle copine. Elle va te fracasser la tronche à coups de batte, jusqu'à ce que t'aies le museau qui te ressorte par les oreilles. C'est bon? Il est là. Tu vas crever. Bah voilà, bien joué, Kaneko. Moi, je te défends pas, hein. Vu pour toi. Par toutes les balles qui se prend. Bande de bâtards. Avec un égout, hein, c'est ça de faire ce que t'as fait. Sauvez le privé, butez-le. Faire du monde là. Magnifique. Alors pousse, pousse. On va regarder les commandes. Activer la pause. C'est ça? Mais non, c'est pause. Mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'il me dit? Commande. Changer PDV atelier, sauter. LB. Ouvrez-moi! Ah ouais, c'est ça. Non. Yes. Vas-y. C'est tout. Comment je fais? Accepter? Ok. 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 Bon bah voilà les amis, ça y est, j'ai trouvé. Faire un collier avec des tripes. Hop là. Montre-moi ta bouille. Ouais. Oh là là. Des morceaux de cervelle. Ça moncelle. Liquidé. Enfin!
Bon, toi, tu donnes ça. Cartouche, ça je m'en fous. Cartouche. Est-ce qu'il y a d'autres cadavres morts? Capsule, cartouche. Voilà ce qu'il me faudrait, c'est des munis. Non, de la vie. Oh oui, il me faut de la vie. Parce que j'ai plus de steampack. Je vais raider par là. Alors attends. Mais baisse-toi. Comment? Mais se baisser, c'est... Mais se baisser. Voilà, punain. Paquet de clopes. PC. Acheter des tickets. Comment on fait? D'accord. Fermeture du terminal. Avis aux employés. Là. Attention. Non. Alors, c'est plutôt par là. Non. Comme petit coup. Comme ça. Non. Comme ça. Doucement, doucement, doucement. Pas trop non plus. Ah! J'ai l'impression que c'est plutôt de ce côté-ci. Mais voilà! C'est bon. Oula, attention. Des capsules. Fruits mutants. Eau purifiée. Quel miracle! Bouteille de bourbon, capsule. Je ne peux pas crocheter ça. Merde! Fais chier. Allez, viens, Kanigou. C'est pas fini. Cher Kanigou, hein. Lolo, mais matez-moi cet acharnement sur mon corps. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Si je vais dans... soin... Pour purifier, si je mange un fruit mutant. Attention. Ouais. Ah, mieux. Pourquoi ça a pas marché, le purifier? Attendez, j'arrive en bas à gauche, là. Non, ça s'est arrêté. C'est pas ça que je vais faire. Trop loin. Bon. On va tirer avec ça. Je tire sur quoi là? C'est bon? Mais la grosse blague. Ah, misère de misère.
pas le choix. Si je prends un melon. Voilà, je me bouffe des radiations, mais c'est pas grave. Si je me prends ça, tac. Allez. Vont-ils venir jusque moi? Enfin, jusqu'à moi. T'es un space boy ou quoi? Ça sert à rien. Oui, non. J'en vois au moins 5. Oh putain de merde. Est-ce que j'ai une grue? Ah merde, non attends. C'est pas ça que je voulais faire. Tac. Ah! J'ai pas une greux là la dernière fois. J'ai pas de greux. Mais loul. De souffrir le martyr. Putain. Plus qu'un. Faut que je m'achète des steam packs. Hein. Je peux pas continuer comme ça. Hein. Le pire, c'est que j'en avais une bonne dizaine, hein, voire une quinzaine, et j'ai tout utilisé tellement je suis nul. Ok. Il en reste encore un, décidément. Voilà, je tire sur des cadavres. Parce que je suis un gros salaud. Ah, nom de Dieu. Il sert à quoi ça? Ah, que dalle. Tête qui dépassait. Je vois plus. Oh, il est là. Allez, on va utiliser toutes nos balles pour ces pauvres pecnos de merde. Il s'est remis de la vie ou quoi? Quelle précision! Quelle précision! Allez! Maintenant, on prend. Attends. Tac. Tac. J'en ai marre. Mais quoi?
la 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 la. La musique continue là, j'ai un peu peur. Non, c'est bon. Putain de merde. Attends, je récupère ça pour les revendre. Ah, je suis trop lourd. Donc, on va retirer des armes. Je sais pas moi, mine à fragmentation, minigun, mitraillette. Non, c'est pas ça que je veux virer. Moi, c'est le flingue et le flingue. Tiens, jeter. Non, un seul. Voilà, logiquement, c'est good. Ok. Capsule, cartouche. Capsule, cartouche. Ma foi. Après un combat de 40 ans, ça y est, on va pouvoir continuer la mission. Cartouche, fruit mutant. Pff, y a personne. Whisky. Scotch. Ça peut valoir de l'argent éventuellement. Épingle à cheveux. Qu'est-ce que tu fais, Canigou? Oh merde! On va retirer un flingue. Par ici. Allez, alors. Hop, 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 hop. C'est pas loin. Bingo! Joli. Un piège? Apparemment. Je sais pas, moi je vais aller dans perception. Allez. Le verrou tient bon. Ah oui, ouais. Ah ouais, là! J'ai pas fait gaffe. Au sol, je prends. Tout ça, ça peut se vendre. À mon avis, lui, il s'est fait flinguer par le gun. Va savoir. Excellent. Ah, putain de merde. Alors, si je bouffe, par exemple, si je mange... Je sais pas moi, une courge. Voilà, ça va être mieux. Tiens, voilà, et des fruits. C'est bon. De quoi? Ah, la musique de la victoire. Putain, mais quoi encore? Tiens, je peux monter. Putain, mais j'en vois trois. Fais ce que tu veux, ça suffira pas. Qui s'est fait buter? Sur absolument tout, mais c'est un truc de malade. Dans quoi j'ai des balles?
Tu te prends une mitraillette. Ok. Rien du tout, espèce de sous-merde. J'ai plus de vie. Je sais pas à quoi ça correspond ça. Ça donne 400 de PV la vache. Tu pars déjà. Je commençais à te trouver sympa. Ouais. Recharge. J'en ai tué un là. Capsule, cartouche. Oh ! Excellent. On fait toujours bien la quête de Valentine. Tout à fait. Logiquement, il n'y a personne à l'intérieur. Wow! Oh putain! Je déteste quand ils ouvrent cette porte. Ça pourrait pas faire moins de barreaux. Mais non, il y a des gens. Oh putain de merde. Qui est là? Kanigou, attaque! Agnez-vous! Oh, je vais bien m'amuser avec toi! Moi aussi. Mais meurs. Muni. Allez, s'il vous plaît, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une caisse de munitions avec 1 milliard de balles à l'intérieur? Attends. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'abri 114. Bienvenue à nos employés. Ok. Bon, je ne lis pas tout, hein. Non, on ne lit pas tout, mais on va quand même... voilà, faire en sorte que vous puissiez lire de votre côté. Voilà. Eau purifiée. Pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro? Je veux dire, dans le genre hermétique, on a vu mieux? C'est parce qu'ils n'avaient pas prévu de l'utiliser, abruti. On utilisait pas mal ce genre de combine avant la guerre. Embaucher tout un tas de mecs syndicalisés pour bosser sur un chantier inutile. Histoire de virer personne. Bonjour! Quoi? On est dans de sales draps! Oh là là, mais je suis encore à 3 doigts et demi de crever. C'est pas vrai de voir ça. Est-ce que vous, quand vous avez fait la mission de votre côté, vous avez autant galéré que moi?
C'est quoi ça? Ouais, on a ça, Sardone, bah vas-y, tac. Ah ouais, ça remonte bien là. Tant pis si on prend un peu de radiation. Une blessure, hein, je sais pas c'est quoi. Capsule, cartouche. Allez, dis-moi que c'est la bonne. Non, même pas. Plus que 40 balles pour l'arme. Je sais pas ce que je vais aller chercher, des armes. Des armes, si je prends par exemple un pistolet comme ça. Ouais, super. J'ai récupéré un truc qu'il fallait pas. Tiens, cocktail Molotov. En bas. Mon pauvre canibou. Merde. Enfin! Ah merde! Mais il y avait un corps là! Il est parti où le corps? Le corps s'est barré quoi! Des goules. Vous avez vu sa tronche? Bah, où est-ce que t'es? Mais toi t'es où? Ah ouais. Alors attends, bouge pas, avant de descendre, boîte d'épingles à cheveux, je prends argent d'avant-guerre. Si j'ai envie de me torcher les fesses, pourquoi pas. Sors de ton trou. J'ai on te fera pas de envie. Mal, juré. Ah ouais? Non mais je vous fais pas confiance, vous êtes des mythos. Mine? Ah tiens. Ouais non. Batte de baseball. Tac. Ah on a aussi le fusil à double canon. Ça pourrait... Ah mais ouais non mais d'accord ok. Je sais pas moi je vais manger les pommes. C'est bon là? Yes. On est tellement sur la corde raide au niveau du poids.
pense bien. Hop. On essaie de mettre les bouts. Magnifique. Bonbons sucrés, fruits mutants, voilà, encore une fois. Non mais c'est un truc de ouf, je vais retirer des armes. Voilà, on va en jeter deux. Ça je récupère. Non, ça on s'en fout. Scotch, clé anglaise. C'est bon? On y est? Ah non, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. C'est un truc de fou. Alors, Valentine, t'as les crocs? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein? Pose toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Arrête ton char, Valentine. T'es qu'un minable qui sait que dalle. Tu crois ça? Pourtant, je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir. Je crois même qu'il a dit « sale petit tricheur de mes deux ». Ensuite, il a barré le nom trois fois. Barré trois fois? Dans son carnet? Mais j'ai jamais... Oh, bon sang. Faut que je règle ça, et vite. Ouais. Merde! Tout dans le buste. Comment je fais pour jeter une greue? Ah putain, mais quel con. Oh, il fait trop mal ce qu'on a. Éclatez la gueule et dessinez ton cadavre. Oh putain. Soin vite. Épis de maïs. Les œufs. Épis. Ok. Le ralenti qui se faisait un peu attendre. Mot de passe, tac. Allez. Hé, vous, je sais pas qui vous êtes, mais on a 3 minutes avant qu'il réalise que l'autre tas de muscles sans cervelle va pas revenir. Ouvrez cette porte. Je peux pas? Ah oui, là. Pour ouvrir cette... Oui, non mais t'inquiète. Prendre un numéro, activer. Porte, il faut que vous piratiez le terminal. Ça y est. Attends, comme ça. Bonjour. Ah, mon chevalier servant. Je suis par là. Wouhou. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé? Par là. Par ici. Ah, oh là 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 là, il a trop la classe. Ah, ça fait trop du bien de le revoir. Mais vous êtes quoi exactement? Je vous l'ai dit, je suis détective. Bon, je sais que la peau et les pièces de métal ont rien de très rassurant. Mais c'est pas important. Tout ce qui importe, c'est pourquoi vous avez pris la peine de me sortir de ce trou. Mon fils, Sean, a disparu. Il a été enlevé. Mais je ne sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pet au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord tirons-nous d'ici, on causera plus tard. Attends. Nick,
Je sais que vous avez une affaire à régler. Ouais, mais attends-moi alors. Sous terre et entouré de gangsters qu'on pourra causer tranquillement. Oh ouais. Laissez les mots être vos armes. Tous les marchands disposent de 100 capsules supplémentaires. Cool. Avant, la bande à Malotte. Et Valentine, doucement. C'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier. Jusqu'à ce qu'ils trouvent cet endroit. Je sais pas ce qui est arrivé aux occupants précédents, mais il y a peu de chances qu'ils réclament le loyer. Un abri vide, la planque idéale, quoi. C'est bon, t'as fini? On va écouter les cassettes. Entretien numéro 21 de Voltec pour le poste de superviseur de l'abri 114. Candidate Kimberly Wiz. Bonjour, Madame Wiz. Comment allez-vous? Si je puis me permettre, c'est un honneur d'avoir été retenue comme candidate pour le poste de superviseur. Depuis que je suis toute petite et que j'ai fait partie du faux gouvernement organisé par les enfants, je rêve d'avoir un jour l'opportunité de conduire notre communauté vers la gloire. Tous mes professeurs m'ont dit que j'avais le potentiel pour diriger, et si je n'avais pas été vice-présidente du conseil des élèves, nos ventes de gâteaux n'auraient sans doute pas été satisfaisantes. Le seul fait de pouvoir organiser et diriger ce petit groupe en montrant à tous une meilleure façon de faire pour les conduire vers un avenir radieux. Mince. On dirait que nous n'avons plus le temps. Comment? Mais nous venons juste de commencer. Oui, oui, merci. Pourriez-vous nous envoyer le candidat suivant en sortant? Oh, bien sûr. Ai-je dit que j'étais chef de mon groupe de débat? Probablement, oui. Merci. Ah. Entretien numéro 3 de Voltec pour le poste de superviseur de l'abri 114. Candidat, Benjamin Beasley. Monsieur Beasley, en tant que superviseur de l'abri 114, comment régleriez-vous un différend entre deux résidents? Eh bien, je ferai remonter ça par les voies officielles, à condition qu'aucune de leurs requêtes ne soit contraire à la loi, bien sûr. Évidemment, le conflit aura avant cela été évalué par tous les autres membres du conseil des résidents de l'abri, que j'ai l'intention de mettre en place. Un conseil des résidents de l'abri, dites-vous? Bien sûr, les gens ont besoin d'un gouvernement, ils le réclament. Selon moi, tout Américain digne de ce nom a le devoir de... Oui, je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci d'être venu nous voir. Oh, déjà? Bien. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Ah non, pas douter. Veillez bien à remplir votre accord de confidentialité en sortant. Et le dernier. Entretien numéro 87 de Voltec pour le poste de superviseur de l'abri 114. Le candidat a refusé de donner son vrai nom et nous a demandé de l'appeler... Harry Lasso. C'est exact. Je vous dirai rien de rien. Mon nom, c'est celui que j'ai choisi, pas celui que le gouverneur voudrait me donner, non, monsieur? Fascinant. Monsieur... La soupe. Pourriez-vous me dire pourquoi vous vous méfiez autant du gouvernement? Je sais de quoi ils sont capables. Ils paralysent tout le système avec leur foutue bureaucratie. Et ils nous volent tout l'argent qu'on gagne à la sueur de notre front avec leurs foutus impôts pour financer leurs partous d'Illuminati et de francs-maçons. Moi, je suis un homme libre. Je veux vivre comme j'en ai envie. C'est mes taxes qui permettent de construire des routes et de mettre des peines à ordures partout. Alors je dormirai où je veux. Monsieur, si j'en crois ce que je vois là, ça fait de nombreuses années que vous ne payez pas d'impôts. J'ai vu ce qu'il marque au dos des boîtes à Braxo. Ne pas avaler. Me dites pas ce que je dois faire, je mange ce que je veux. Vous pourriez bien être le candidat rêvé pour ce poste, monsieur. Cela vous ferait-il plaisir de devenir le nouveau superviseur de l'abri 114? Hors de question que je mette une putain de cravate. Ou un pantalon. Moi, je veux pouvoir diriger en calbar, hein, et avec un Marcel et des tongs. Parce que moi, je suis un excentrique, ok? Peut y aller. Désolé d'avoir été aussi long. Enfin, j'avais écouté ça de mon côté parce que je pensais qu'il y aurait des dialogues. Mais si tu es aussi muet qu'une tombe, du coup, j'aurais fait tout ça pour rien. Enfin. Chut, j'entends quelqu'un approcher. Quoi encore? Voilà. Comment on la joue? Tout ce qu'il a à faire, c'est surveiller.
le prisonnier. Oh, Valentine. On bouge. On causera de tout ça quand on sera sorti. Arrête d'asticoter ce type et ramène ta fraise. Où il est passé ? Merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou quoi ? Bonjour ! Je devrais peut-être aller voir le chef. De quoi ? Bonjour ! Vous allez tirer ? Je crois qu'on n'est pas seul. Vas-y, Valentine, à l'attaque ! Go, 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 go ! On l'attaque ! Putain, mon épaule ! Je crois qu'il en reste plus. Oh, j'ai géré ! Ils sont là, quelque part. Toi et Valentine, vous êtes morts. Oh, GG! C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il aurait fallu c'est un système de couverture? Ça aurait été cool, ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre, trop dur. T'es où? C'est ça que tu veux mourir? Ah, t'es là-bas? Valentine, vas-y, profites-en. Moi, je vais prendre un fruit mutant. Que pour longtemps. J'ai si peu de précision, quoi, bordel de merde. Ah, je vais te. Nous n'embêterons plus personne maintenant. Fou. C'est tellement la dèche au niveau des bastos, c'est un truc de malade. Force, hein. C'est efficace au moins. Mais j'aimerais pas être à la place de celui qui fera le ménage. Nettoyant. Nettoyant encore. Ok. Mais attends. Ah oui, non, mais ça nous ramène là, en fait. Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Ce serait gentil, parce que moi, j'ai pas le level, hein. J'y suis presque. Et voilà. C'est quand même plus facile quand le verrou est pas de l'autre côté. Oh merde, hey. Fais tes prières. Oui. Oh la gueule qu'ils ont. Ah, punaise. Alors, attends. C'était genre par là. Non. Encore un petit coup, comme ceci. Non. Donc, du coup, c'est plutôt par là. Punaise. Mais quoi? Alors. Non. Comme ça. Ah. Mais voilà. Mon parcours, hein. J'ai débloqué ici, mais pourquoi faire? Là. Excellent. Histoire à dormir debout, vous avez trouvé un numéro du magasin. Augmente le nombre de points d'action de 5. Tchoul.
Bon, par contre, il y a une musique copyrightée, là, juste à côté, on l'entend en fond. Je vais bavacher pour que ça disparaisse. Oh là 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 là. Bah attends, attends. Allez, récupère-moi ça. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? On va prendre un petit whisky. Voilà. J'adore être torché lorsqu'il y a des combats hyper tendax. Voilà, ok. Merde, je suis en train de tirer sur mon pote. Dans mon senseur. Ah, quel connard. Toi, t'es là. Ah, super. Ah, presque. Non, on va mettre plutôt par là. Boum. Génial. Cocktail, jet, tac. On récupère tout. Là, non. Dormir, évitez de nous sous-estimer. Si je vais là. Excuse-moi, mais putain, gagnez-vous! Oh là là, mais Jean-Michel Musique, il a fou. J'espère que ça vaut de l'argent. De toute façon, même si ça vaut que dalle, hein, tant escaliers. Pis. Qui a construit ce truc? Un champion d'escalade? Bah, où est-ce que t'es? Par ici! À l'attaque! Y'a rien. Mais si, là, là, devant! Tiens, tu vois, je l'ai dit. Excellent. Allez! Bien! Oh là là! Magnifique! Oh, tout c'est à côté! Tout à côté! Fallait pas nous emmerder! Quand il en reste plus. Tu crois? Mytho va! Vas-y, Nick! Fais ce que tu veux, ça suffira! Moi, je vais là. Whisky. Oh, Steampack. Le retour. T'en as dans le ventre? Impossible de crocheter ça. Bouge trop. Plus balèze, hein? Non, c'est fou. Tu veux vraiment que ce soit la. Oui! Putain de merde. Bon, je vais arrêter de prendre de l'alcool. Cartouche. Malone, le chétif et ses gars nous attendent quelque part. Mais où? Ah, et vous fiez pas à son surnom. Ce type est dangereux. Encore une porte verrouillée. Dire ça que c'est pas encore être... la fin. Bon, j'ai... Attends, je sauvegarde. Réussi, mes gens. Maintenant, je vais virer un truc. Je vais virer une mitraillette. Je n'ai besoin qu'une. Hé, hey, attends! Attends, un pas lourd de l'autre côté. Dès qu'on franchit la porte. Attends, je reviens parce qu'en fait, là, il y avait une mitraillette plus.
celle-là là. T'aurais pu m'attendre ? Nicky, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu te pointes chez moi, tu dégommes mes gars ? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter ? Plains-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse ? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça ? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Nicky. On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Tu piges ? Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires reprennent. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter ! Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok ? Je m'en charge. C'est moi le patron, ici. Ah ouais ? Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec ? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Non, c'est faux. C'est quoi le rapport entre Nick et vous, au fait ? Darla avait fugué. Son père voulait que je la ramène, mais j'ai découvert qu'elle avait quitté la ville pour rejoindre mon vieux pote, Malone le Chétif. Un boss de la mafia. J'aurais jamais cru qu'il réussirait à rassembler suffisamment de racailles pour s'emparer d'un abri. La vie est pleine de surprises. Eh, c'est qui le patron, bordel ? Si t'as quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut causer. Vous vous connaissez, vous et Nick ? Ce tas de ferraille était un véritable emmerdeur à l'époque, avant qu'on soit tous virés de notre quartier. Il m'a fait le même coup des centaines de fois. Finalement, les ennemis, c'est ce qui ressemble le plus à des amis dans le coin. Bref, arrête de tourner autour du pot. Tu veux parler ? Parle. C'est un malentendu, Malone. Vous le savez, si vous nous laissez partir, on ne reviendra pas. Vous avez buté tous mes gars et vous croyez que je vais... Oh, c'est bon. T'as de la chance que j'ai une dette envers lui pour cette histoire à la carrière. Je vais compter jusqu'à 10 avant d'oublier mes bonnes manières et de commencer à balancer la purée. Qu'est-ce que tu fous, Malone ? Liquide-les ! Non, Darla. Je leur donne une chance de se tirer. Et tu la fermes. Ma mère avait raison. Vous, les gangsters, vous savez que causer. On ferait mieux de pas traîner ici. Un. Merde. Deux. Trois. Mes vieux avaient raison. C'est parti ! Faut jamais se mettre à la colle avec des guignols de Good Neighbor. Bah Nick, tu me suis ou tu me suis pas ? Je crois qu'il faut que je passe par là. Il y avait une échelle. Ça a tiré ou quoi ? Non, c'est bon. Allez, Nick ! Oh là là, enfin ! Enfin, on a terminé la mission ! Mais qu'est-ce que j'en ai chié ! Punaise ! Truc de malade ! Ben, Nick ! Ah ! Oh, Valentine. Bon, et si on causait un peu ? Comment vous avez su que je me trouvais au fond de ce trou ? Vous êtes quoi exactement, Nick ? Vous savez vraiment pas ? Je suis un synthétique, un homme synthétique. Tout pareil, à quelques globules rouges près. On m'a construit, j'ai vieilli, on m'a acheté. Ensuite, j'ai ouvert une petite agence à Diamond City. Et il semblerait que les gens ont tout un tas de problèmes à résoudre. Bref. Vous me disiez que votre fils, Sean, a disparu. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. Vous avez dit Diamond City ? C'est bien ça ? Ouais, vous connaissez ? C'est à quelques pâtés de maison au sud-ouest. Mon bureau est dans les ruelles, avec l'enseigne en forme de cœur devant. Je vous suis, Nick. Ok, allons-y, Fissa. Venez. Chou! J'en ai chié, hein. Encore une fois, j'en ai énormément chié. C'était la galère du début à la fin, mais c'était quand même trop bien. Quand on a traversé le Commonwealth en long et en large comme moi, on apprend deux ou trois trucs. Si ça tourne au vinaigre, ces vieux bâtiments et ces ruelles abandonnées font des planques idéales. Mais ça marche dans les deux sens. Il faut ouvrir l'œil et rester vigilant en permanence.
Même quand tout a l'air calme, ça peut très vite dégénérer. Foutu. Elle est tellement bien à sa voix aussi. Oh là là, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Quoi? Sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Attends, la viande de chien errant, c'est vachement bien. On va en récupérer un max. Qu'est-ce que t'as, Canigou? Oh non, c'est pas tellement la peine. Bon, j'espère que tu vas pas nous faire passer par des ruelles un peu dangereuses, hein. Poupidipapap. J'aime bien comment il court. Il trotte. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que tu nous dis que t'es un vieux modèle. Mais... t'es alimenté par quoi? C'est quoi ta durée de vie? Hein? Hein? Tu as? À l'hôpital Velpo? Baseball! Nier ou pas, là? Ah, Zuber! Nick, c'est par ici, Nick. Faut, j'ai l'impression de voir des trucs par terre. Hund, procurez-vous la dernière édition de Public. D'accord. On ira parler à la petite fille. Attends, c'est ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Tac. Alors attends. Attendre. 6 heures. Donc là, il va être... on va attendre encore. Merde. Là, 5h50. Voilà. Et là, est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Il y a quoi, un truc là? Ah ouais, c'est un marchand. Hé, attends! Non, on va peut-être vendre à l'intérieur. Ils ont peut-être plus de pognon. Le soleil, à mon avis, il va se lever de par là. Pas y aller, Nick. Oh là là, ça fait déjà une heure et demie que je joue. Elle est pas encore éveillée, la petite. Nick. Vous tracassez pas. Dès qu'on sera dans mon bureau, votre affaire sera ma priorité numéro 1. Ouais, mais en fait, peut-être pas la faire tout de suite. Merde. Tac. Voilà. Super. On verra ça demain, parce que moi, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Toi, est-ce que je peux te vendre des trucs? Bol de nouilles. Non, mais je veux vendre. T'as pas beaucoup d'argent. Contentez-vous de répondre oui. C'est tout ce qu'il comprend. Pas un marchand dans le coin, bordel. Le surplus de Diamond City. Tiens-toi. 24 heures. Toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais le surplus de Diamond City est ouvert 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous vendez ici? Tout, monsieur. Mademoiselle Myrna s'enorgueillit d'être une collectionneuse de bibelots de qualité, originaire de toutes les régions du Commonwealth. Nous achetons également les objets que vous ne désirez plus. Et nous sommes ouverts 24 heures sur 24.
Voyons ce que vous avez là. Regardez. Alors. Joueur. Bourbon. Ça, je sais pas combien ça vaut. Tac. Bouteille de bière. Bouteille de bourbon. Whisky. Ça, non, je touche pas. Cartouche. Combinaison de l'abri. 114. Voilà, j'en vends 3. Couteau plastique. Au sale. PV, ouais, non, ça je vends. Fruits mutants, fusibles. Et les fusibles, je ne sais pas à quoi ça sert, donc du coup, on va les garder. Ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Histoire de rien, non. Jet. La vérité synthétique. Mine à fragmentation. Palissade, ouais, non. Paquet de cigarettes, ouais, non, ça je vends. Pomate, c'est une tomate, mais un mélange de potiron et de tomate. Purée, ça j'y touche pas. Réacteur à fusion. Charge 100%. Ah, cool. Scotch. Tac, le steak, on y touche pas. Tenue de tomate, tu es spécial. Térémentine, viande. Whisky. Alors là. Compact, auto. Arme de fortune, ouais. Ça, j'y touche pas. Épi de maïs, ça, je garde. Épingle à cheveux aussi. Annulé. Accepté. Et maintenant. Là, on a des cartouches. Est-ce que tu as cellule à fusion? 245 capsules, hein. Ah putain! Mais attends, mais ça fait juste 35 balles ou une cellule, c'est tant de tirs? On va savoir. Ok. Donc là, le soleil. Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ouais, c'était franchement très très sympatoche hein, comme épisode, avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, un peu de fail, de la très grosse galère. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà vu quelqu'un galérer autant au niveau d'une mission? Si c'est le cas, bah faites-le moi savoir. Peut-être que je vais être cette première personne. Mais ouais, j'espère, j'ose espérer que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Hein. J'espère que ça n'a pas été un peu trop perturbant pour vous de regarder... un joueur en chieté à ce point-là. Et bien sûr, voilà, vous n'hésiterez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Est-ce que bah, vous avez déjà fait cette mission? De toute façon, à partir du moment où vous y avez déjà joué à ce jeu, peut-être que vous êtes arrivé jusque-là, je vais y arriver. Ou peut-être que pas, hein, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui ont lancé le jeu, qui ont fait genre une heure, deux heures de gameplay et qui se sont dit « Ouais, non, en fait, c'est pas pour moi. » Va savoir. En tout cas, j'espère que vous serez encore là la prochaine fois pour la suite du Let's Play, du LP. Et sur ce, les amis, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé ce Let's Play jusqu'au... Sur Let's Play. Il est temps que j'arrête, hein, franchement. Il est quand même 22h et ça fait plus d'une heure et demie que je joue. Je fatigue. Mais ouais, j'espère vraiment que... voilà, merci, voilà, c'est ça. Merci à vous d'avoir regardé l'entièreté de la vidéo. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Rapatou. Et bah voilà, comme d'hab, le petit like, le petit pouce en l'air avant de partir, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.